Hello, hello les amis, on se retrouve ce matin, donc nous sommes lundi 19 juin, il est 8h20 à peu près, je viens de déposer mon fils à l'école pour ses deux derniers jours de classe, ils sont libérés cette semaine parce que il y a le bac, donc lui passe son brevet. Donc là c'est deux jours de révision et après la semaine prochaine donc il y a le brevet et mon autre fils donc lui ça y est il a terminé la semaine dernière donc ça y est ça commence à sentir un petit peu les vacances. Maintenant on va préparer les sacs pour les vacances justement. Et sinon, moi je suis bien fatiguée ce matin, je sais pas si ça se voit. Oh merde, je vois que j'ai plus de batterie, c'est nul pour un lundi quand même, sachant que je voulais filmer. Bref, je la chargerai tout à l'heure. C'était un week-end arts martiaux ce week-end. Donc j'ai participé à un stage samedi après-midi, juste après le boulot. On est parti en Champagne. Et je pensais pas, en fait, j'avais pas l'intention de faire le stage, parce que vous le savez, suite à mon entorse, voilà, pour l'instant, les arts martiaux, j'ai limité, puis finalement, on assume convaincre, on dira ça comme ça, et puis, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, voilà, j'ai pas forcé non plus, et puis hier, il y avait un passage de grade, et donc notre enseignant a passé sa première dangue, donc il est ceinture noire, il a passé sa ceinture noire l'année dernière, il a passé sa première dangue hier, il l'a eu, donc voilà. Donc ça c'est cool, on est rentré hier, il était aux environs de 17h. J'avais envie de faire une petite séance de sport qu'on appellerait de décrassage, parce que j'étais bien courbaturée et fatiguée quand même de ce week-end. Et je pensais partir pour une séance step de 15 minutes, et j'ai pas fait gaffe en mettant la vidéo en route. Et c'était une séance step bien cardio de 29 minutes. Donc en plus j'ai fait ça avec un gilet lesté. Donc bon moi j'ai fait jusqu'au bout hein, et puis j'étais cuite. Et hier soir on a eu un méga orage. Et vous savez que Brest déteste les orages, il a une trouille bleue. Et du coup jusqu'à 1h du mat, il a pas arrêté de pleurer, il tremblait. Enfin bon, c'était. C'était compliqué ce matin, bon le réveil à 6h, je me lève un peu plus tard du coup puisque mon grand lui a terminé l'école, donc on se lève plus à 5h40, donc je me lève à 6h20 maintenant, et c'était un peu compliqué ce matin. Donc là, je vais me mettre en route, je vais faire ce que j'ai à faire, donc j'ai pas mal de ménage et de rangement à faire puisque j'étais pas là de tout le week-end, et puis voilà, pour remettre la maison en état, hein, comme chaque lundi on va dire, et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, si je peux filmer encore peut-être une vidéo produit terminée, parce que j'ai mon sac qui s'est bien rempli, là j'ai terminé pas mal de trucs, je vais le faire, je vais regarder mes mails aussi, mes messages, parce que quand je pars comme ça un week-end, je ne fais rien d'autre, je suis vraiment concentrée en fait sur ce que je fais, donc voilà, et puis cet après-midi j'irai à la boutique, que j'ai eu une commande en ligne, donc j'irai la préparer, et puis si je peux, je la dépose déjà à la poste cet après-midi, sinon... Non, c'est fermé le lundi, mince. J'irai demain matin, tant pis, avant le boulot. Et puis, cette semaine, j'ai une grosse semaine aussi qui m'attend. J'ai une semaine bien, bien, bien remplie. Il me reste plus que 3 créneaux de disponibles. Et c'est beau. J'ai beaucoup de gros massages de 2h, par exemple, ou 1h30. Et vendredi après-midi, à partir de 17h, je me suis inscrite à... On a le club de gym donc de notre petite ville qui fête ses 50 ans. Et donc, on a été invité à y aller. Et donc là, c'est un challenge 4 heures de gym. Donc, c'est alterné en fait sur 45 minutes cardio, genre step, enfin voilà, du cardio ou renforcement musculaire avec 45 minutes yoga, 45 minutes cardio, 45 minutes yoga. Voilà, c'est sur 4 heures en fait. Donc, je ne sais pas si je vais tout faire. En tout cas, je vais au moins faire les 2-3 premières. La dernière, je verrai. Parce que vous savez, le yoga, moi, c'est pas trop mon truc. Et puis voilà, je rattaquerai le samedi avec un massage d'eau le matin et un corps complet l'après-midi. Voilà, je serai en week-end. Je crois que cette semaine va être bien intense. Voilà, écoutez, moi je vous retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog. Je vais en profiter pour recharger rapidement ma batterie. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Au repas de midi ce jour-là, du riz, une poêlée de poivrons avec quelques olives et un petit steak végétal au sarrasin et aux graines.
Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 juin. Il est à peu près 9h, comme vous le voyez, il fait super beau et braise et pas loin. Je me dis que j'aurais pu prendre un trépied ou quelque chose pour poser mon appareil parce que là, j'ai un petit peu mal au bras. Donc là, je suis prête pour descendre à la boutique. Je vais encore patienter un petit peu. Aujourd'hui, j'ai une journée qui est complète. Voilà, ce sera super pour terminer la semaine. J'ai eu une bonne semaine d'ailleurs. C'est plutôt chouette. Vous le voyez, j'attache mes cheveux. J'ai fait une genre d'un genre de petit. Alors, j'irai pas jusqu'à dire. Oh si, bon voilà. Allez, un chignon, disons-le. Et j'ai mis le masque. J'ai mis sur mes pointes le Cut by Fred. Et sur mes longueurs et au-dessus, oui, je mets des masques hein, quand je vais, parce que je sais que je vais me laver les cheveux ce soir, parce que là, j'ai beaucoup transpiré au sport et je me lave pas les cheveux quand même à chaque fois non plus. Oui, je sais, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et sur les longueurs et sur le haut, j'ai mis celui de On the Wild Side. Vous avez été plusieurs déjà à me demander ce que je pensais des produits. Franchement, j'aime beaucoup le shampoing et l'après-shampoing. Ils sont vraiment très 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 bien. L'après-shampoing n'alourdit pas mes cheveux, mais moi je l'utilise, vous savez, en avant-shampoing parce que pour moi c'est une perte de temps de mettre de l'après-shampoing. Attendez, il faut absolument que je pose mon bras, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, nous voilà repartis. Je vais éclaircir peut-être un petit peu. Reste fait le fou à côté. Voilà, j'ai sorti mon trépied parce que hier, je vous avais parlé, il me semble en début de semaine, je crois que je ne vous ai même pas pris entre temps, mais en début de semaine, je vous ai parlé que le club de gym donc de notre petite ville fêtait ses 50 ans pardon, cette année. Et donc, il y avait un. Voilà, ils ont organisé une manifestation un petit peu spéciale pour leurs 50 ans. Donc, hier, de 17h à 23h, bon, je ne suis pas restée jusqu'à 23h, mais de 17h à 23h, donc on pouvait venir participer donc au cours qu'il proposait. Donc enfin, voilà, ça avait été spécialement préparé pour cette soirée. Donc c'était des cours à peu près de 45 minutes. Donc hier soir, j'ai enchaîné renforcement musculaire, yoga, ensuite fit stick et step. Et autant vous dire que je suis rentrée hier soir, il était presque 22h. J'étais cuite, voilà, j'étais cuite, j'ai enchaîné les quatre séances là. À chaque fois, il y avait une petite pause de 10 minutes entre. Franchement, c'était ultra sympa, il y avait une super ambiance, c'était plein, la salle est grande, la salle des fêtes était pleine à craquer. Franchement, il y avait une super ambiance, super musique, les profs étaient vraiment au top. Et voilà, j'avais été gentiment invitée donc, à cette soirée. Donc j'y suis allée et franchement, je me suis amusée comme une petite folle. J'ai vraiment kiffé. Donc j'ai découvert, alors bon, le yoga, vous savez, c'est pas trop mon truc. J'ai fait quand même la séance, mais voilà, c'est vraiment pas... alors je pourrais en faire de temps en temps, mais c'est vraiment pas ce que je pourrais faire tout le temps. Moi, il faut vraiment des trucs qui bougent ou voilà, où je m'amuse. Et donc on a commencé renforcement musculaire. Franchement, la prof était super, enfin, j'espère bien accrocher. C'était cool. Et donc après yoga, après on avait les fit sticks. Alors ça, j'ai découvert hier et je me suis amusée, mais alors, mais à fond. Et puis c'est bien parce que ça fait bosser aussi la synchronicité entre les bras, les jambes, ce qui est un petit peu compliqué chez moi. Et donc en fait, ce sont des grands bâtons. Et en fait, vous venez taper, en fait, vous faites différents mouvements. Donc vous faites des squats, vous faites des fentes avec les sticks, des abdos et tout. Franchement, je me suis mais éclatée sur ce cours. J'étais presque triste que ça se termine. Et après, donc il y avait step. Bon, voilà, le step maintenant pour moi, c'est devenu mon activité principale, on va dire. De toutes les semaines puisque j'en fais au moins deux séances par semaine chez moi, donc ça va, j'étais pas trop à la ramasse par rapport aux dames qui étaient là qui avaient peut-être l'habitude d'en faire, donc c'était plutôt bien. Là où j'ai un peu de mal moi dans le step, c'est plus sur les enchaînements. Voilà, c'est d'apprendre plusieurs petits enchaînements et ensuite de les faire, de les mettre bout à bout. Et mais sinon voilà, à part ça, je me suis beaucoup amusée. Je suis pas restée pour le dernier cours qui était le cours de relaxation. Alors je sais que ça m'aurait sûrement fait du bien, mais franchement j'avais transpiré pendant 4
4 heures. Ma brassière était trempée déjà à la fin du premier cours. J'avais pas envie de me changer entre chaque cours non plus. Mon t-shirt était mouillé, j'avais chaud, mais alors vous imaginez pas à quel point. Et puis, il était 21h40 et des poussières déjà. Donc j'avais faim parce que j'avais pas mangé encore et j'avais envie de rentrer aussi parce que aujourd'hui je bossais. Donc aujourd'hui ça va, je n'ai pas de courbature de l'espace, ça viendra peut-être demain parce qu'on a fait quand même pas mal de fentes, de squats, de choses avec les jambes, les bras, enfin. Je pense que demain je vais le sentir peut-être un peu passer, mais en attendant voilà, c'était top et je pense que ça ne va pas m'empêcher de faire mes massages aujourd'hui, je suis en forme. Voilà, j'ai profité de papoter un peu avec vous dans le jardin parce que du coup là, il fait mais tellement bon et ça fait du bien, ça change un peu de la vue du fauteuil que vous avez d'habitude. Voilà, écoutez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée. En rentrant de la boutique ce soir, je vais me laver les cheveux. Je vais changer mon vernis aussi. J'utilise toujours encore les produits manucuristes. J'ai pas racheté de vernis entre temps. Je vais peut-être voir si je vais en racheter parce que je pense que mon rouge commence à descendre bien là parce que j'en mets très 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 souvent du rouge, mais j'aime toujours autant parce que des fois vous me demandez, voilà, donc j'en profite pour vous répondre aussi, j'en suis toujours hyper satisfaite, je trouve que ça tient bien une bonne semaine, des fois même un peu plus, moi je le change à peu près toutes les semaines, il reste brillant, il tient bien, alors bien sûr je n'en mets que sur les pieds parce que sur les mains, voilà, j'aime moins, mais et puis pour les massages je trouve que avoir les ongles naturels c'est pour moi en tout cas, voilà, c'est mon avis, je trouve que c'est plus propre et voilà, mais sinon j'en suis toujours aussi satisfaite et je l'utilise depuis que je l'ai acheté, donc c'était un super super bon investissement. Écoutez, je vous laisse là, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, peut-être dans une routine, je vais essayer de vous filmer ça d'ici quelques temps, et puis je vous embrasse bien fort et puis à très bientôt. Hello, hello les amis, nous sommes lundi, je vous retrouve, vous avez l'habitude maintenant, sur mon petit spot de mon bureau. Je vais peut-être réduire un petit peu la luminosité, hein, parce que là, je suis un peu fatiguée ce matin, regardez pas trop là, je suis un peu crevée, j'ai pas pu dormir, j'ai pu dormir, je dis des conneries, hein. J'exagère toujours un peu, j'ai dû mettre le réveil hier matin, parce que nous avions une réunion pour les AMV, donc les arts martiaux vietnamiens, donc la dernière réunion de la saison pour préparer la prochaine saison qui arrive et les projets que nous allions mettre en place, parce que ça ne se fait pas comme ça. Voilà, donc ça, les AMV, en fait, c'est une partie des choses dont on s'occupe durant l'année. Après, il y a la partie aussi Kwenkido, donc qui est vraiment notre discipline à nous, et où nous avons aussi régulièrement donc des réunions, alors que ce soit avec des hauts gradés, le comité, au niveau de notre club, par exemple, la semaine prochaine se tiendra l'AG du club, des réunions aussi avec la mairie. Donc tout ça, voilà, ça fait, quand je vous dis que quand on est dans le comité d'une association, ça représente beaucoup, beaucoup d'énergie et de travail finalement, d'investissement, en temps de travail et d'énergie aussi.
Et puis après, ben aussi, voilà, les week-ends où on n'est pas là, où, parce qu'on est à des manifestations, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est chouette. Et puis, il faut des gens qui s'investissent. Sinon, il n'y a jamais rien qui se fait. Hein. Donc, je suis pas là du tout en train de me plaindre. Au contraire, j'aime beaucoup ce que je fais. Et puis, on rencontre beaucoup de monde. C'est toujours enrichissant. C'est super sympa. On passe des super journées. On a tous ce point commun, voilà, d'aimer notre discipline. Et donc, le Kwan Kido fait partie, en fait, des AMV, donc des arts martiaux vietnamiens, au même titre que le karaté, le taekwondo, le vokotruen, enfin voilà, des spécialités, des disciplines comme ça. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Alors nous, on est donc la FFKDA, donc c'est-à-dire la Fédération Française de Karaté et disciplines associées. Donc nous, on fait partie des disciplines associées. Fallait bien nous caser quelque part. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, nous sommes lundi matin. Et je me rends compte que j'ai toujours pas encore trop ce réflexe finalement de prendre mon appareil en fait pour filmer certaines choses. Donc hier après la réunion, on a encore récupéré un meuble. Voilà, donc c'était sur le chemin, donc j'étais encore récupéré un meuble. Et nous sommes rentrés, il était presque 14h je crois. Donc j'avais pas mangé encore, donc j'ai mangé vite fait. Et ensuite, je me suis un peu reposée. J'ai un de mes fils qui est passé. Voilà, on a bu un petit coup ensemble. Il est reparti. Et puis après, j'avais pas envie de rester à rien faire non plus. Et puis il faisait très très chaud hier. Il faisait plus de 30 degrés. Et du coup, j'avais pas la foi d'aller marcher. En fait, je me suis dit non, il fait vraiment très chaud. Et du bon, après ce que j'ai fait finalement, c'était pas beaucoup mieux. Mais je me suis dit, bah tiens, on va faire le tri dans la chambre de mon fils. Et là, en fait, on a parce que quand on a déménagé il y a 3 ans, donc on avait déjà fait un tri dans les papiers et tout ça. Mais comme là, il termine son collège, je me suis dit, bah voilà, c'était l'occasion de faire le tri parce qu'on avait gardé tout depuis la sixième. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup de paperasse, de livres, de machin, donc qui nous restait aussi, qu'on avait ramené ici. Donc voilà, on a décidé de faire ce tri-là. Attendez, je vous pose un petit peu là sur ma jambe. Tant pis, hein, ça vous fait un peu trop de près, mais voilà, c'est pas grave. Et du coup, on a fait le tri hier, donc jusqu'à, je crois, il devait être 18h30, quelque chose comme ça. On était crade au possible, tout poussiéreux. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc ce matin, je l'ai déposé à l'école et puis je suis allée mettre dans ça. Je me suis dit, quand je suis arrivée à la boîte à livres, je me suis dit, merde, j'aurais pu filmer. Ça m'aurait fait un petit bout, vous savez, comme ça, voilà, des petites images de ci, de là avec lesquelles on agrémente finalement les vlogs. On avait quelques livres aussi, voilà, ces livres de quand il était un peu plus petit, quand il a commencé la lecture, tout ça. C'était, voilà, des petits souvenirs en quelque sorte qu'on avait gardés, puis qu'on avait ramenés ici. Une encyclopédie pour les enfants. Bon, là, il a eu 15 ans quand même. Donc, voilà, genre le style de livre de 6 ans, maintenant, il les regarde plus. Alors, on a gardé les gros Harry Potter, enfin, voilà, des choses comme ça, des livres qu'on lui avait offerts. Et les autres, je suis allée en déposer 4-5 ce matin, donc dans une boîte à livres. Vous savez, c'est les boîtes à livres ou boîtes à lire, je ne sais plus comment on appelle ça, qu'on peut avoir dans certains villages ou villes et dont tout le monde peut se servir. Donc on va prendre un livre, puis on le ramène. Là, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion, comme ça ils serviront à d'autres. Il y aura sûrement des enfants qui seront contents de regarder un livre de Lego, une BD avec des Lego ou voilà, ou des petits livres avec des lapins et pour apprendre à lire tout ça. Je me suis dit, plutôt que de ne rien faire ou de les jeter. Je me suis dit, voilà, là-dedans, ça pourra toujours faire un heureux. Ou même plusieurs heureux, s'ils sont remis après à leur place dans la boîte. Donc j'ai fait ça, et puis après, je suis allée jeter mes bouteilles et mes bocaux en verre. Et j'en ai profité du coup, bah, ils ont mis maintenant à côté du cubivert, ils ont mis un genre de gros container où vous pouvez jeter, vous savez, les cartons fins, les cahiers, les bloc-notes, tout ça. Donc du coup, je suis allée tout mettre là-bas. Parce que moi, il y a quand même pas mal de feuilles que je récupère en feuilles de brouillon. C'est-à-dire que là, j'ai une boîte spéciale dans laquelle je mets des feuilles sur lesquelles on peut réécrire encore sur la face derrière, voilà, quand elles sont utilisées. Vous savez, des fois. Ah, c'est Myrtille qui arrive, elle me dit bonjour. Bonjour Myrtille. Ah oui? Tu viens dire bonjour? Oui, tu viens ma fifi? Je sais pas si vous l'entendez, c'est trop chou. Je regarde, attendez, elle veut ses croquettes en fait. 2 secondes. Elle a faim ma poupette? Oui.
Attention à la porte. Voilà. Hop là. Bon appétit. Voilà, nous revoilà. Mademoiselle a mangé. Elle vient de rentrer de sa sortie nocturne. Voilà, elle va toujours en vadrouille. Elle n'aime pas rester dedans la nuit. Donc, moi, je la force pas. Et puis, on la laisse sortir. Surtout que là, il fait bon maintenant. Donc, bref, je sais plus ce que je vous dis. Ah si, j'étais donc jeté ses papiers, ses cartons, tout ça. Wow, ça a fait un bon tri hier dans la chambre, vous savez, le genre de tri voilà, où on se sent beaucoup plus léger après. Donc ça fait du bien. Je fais du tri parce que voilà, dans quelques temps, il va se passer sûrement quelques nouveautés. Donc je ne vous en parle pas tout de suite, mais voilà. Ne me posez pas de questions. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui bougent par ici. Et donc ça fait du bien de faire un peu de tri de temps en temps. Et donc j'ai décidé, ouais, beaucoup de blabla face cam là pour l'instant, mais j'ai décidé de vous faire voilà, un petit blabla là ce matin, parce que comme vous l'avez vu avant, j'ai répondu aux commentaires et donc ça me permet de rebondir aussi sur un commentaire en fait, voilà, que j'ai eu sous mon dernier vlog. Je vous le remets par là par là si c'est le bon côté, enfin voilà, par dans le petit qui est là-haut si jamais vous l'aviez pas vu, et où on me demandait pourquoi je ne massais pas chez moi, que ça me coûterait moins cher, que j'avais pas les frais du local, les frais d'électricité, le fait de descendre en voiture, tout ça. Alors vous le saviez, si vous me suivez depuis de nombreuses années déjà, tout au début, donc avant que je divorce, nous avions une grande maison dans laquelle j'avais une pièce spécialement dédiée donc pour les massages et les soins. Et bah forcément, hein, quand je me suis séparée, donc je suis arrivée dans cette maison-là, donc qui est une maison dans laquelle je suis en location. Et vous le voyez dans les vlogs il y a 3 ans maintenant, tout au début, en fait, je massais dans une pièce ici. Alors, il y a plusieurs choses pour lesquelles après j'avais pris un local, c'est-à-dire que déjà je n'ai pas de pièce dédiée, je ne peux pas dédier de pièce pour masser dans cette maison parce que tout simplement je n'ai pas suffisamment la place pour le faire. Ou alors il faudrait faire des gros travaux de réaménagement et ce n'est pas chez moi, donc voilà, je n'ai pas l'intention d'investir en fait de l'argent là-dedans. Et donc, j'ai massé dans ma chambre. Ça voulait dire que j'ai dormi quand même pendant quelques temps. Alors d'abord sur un matelas pendant longtemps, pendant plus d'un an. Après, j'ai investi dans un canapé-lit. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il fallait, bah, vous le voyez, hein, je vous remettrai un des vlogs par là où, quand je préparais ma pièce en fait pour les massages, il fallait enlever le canapé, enfin, refermer le canapé-lit, installer toute la pièce de massage. Le soir, c'est pareil, il fallait de nouveau tout défaire, la pièce de massage, réinstaller le canapé-lit, et ainsi de suite. Et c'était comme ça. Enfin, à la fin, je n'en pouvais plus et c'était pénible. Et c'est pareil, quand les gens arrivent chez vous, comme ce n'est pas... Alors, je ne sais pas comment dire. Alors, je ne sais pas quel terme je devrais utiliser. C'est-à-dire que j'habite, je vis dans cette maison, mais ce n'est pas chez moi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre la nuance, en fait. Je me sens, oui, enfin, je me sens, voilà, j'ai investi cette maison... pas encore, pas tout à fait comme je l'aurais souhaité, mais voilà, j'habite ici, mais je ce n'est pas chez moi, ce n'est pas ma maison. Et du coup, elle n'est pas vraiment à mon goût. Il y a plein de choses qui ne me conviennent pas dans cette maison, l'aménagement. Et puis, il y a beaucoup d'escaliers aussi pour monter. Il faut savoir que j'ai beaucoup de personnes qui ont entre 60 et 85 ans, donc pour lesquels c'est difficile aussi de monter beaucoup d'escaliers comme ça, et puis en hiver ça glisse sur les marches, enfin voilà, c'est tout est beaucoup plus compliqué si vous voulez comme ça. Et puis en même temps, pour se faire connaître, quand vous n'êtes pas très visible, surtout quand vous démarrez, c'est compliqué. Le fait d'avoir eu un local pendant 2 ans, ça m'a permis vraiment de développer énormément, considérablement ma clientèle. J'ai vraiment maintenant une clientèle de base constituée de nombreux habitués qui reprennent rendez-vous d'un mois sur l'autre. J'ai des gens qui viennent depuis 4 ans, depuis tout le début que j'ai commencé, qui sont toujours encore là. J'ai des nouveaux clients qui arrivent chaque semaine. Ça m'a permis aussi de faire découvrir aussi quand même un petit peu les produits slow. Donc ça m'a, voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je pense que parfois, voilà, il est temps de faire un bilan. Et puis de se poser, puis de se dire, ben, ça a été, ça n'a pas été, et de voir comment on peut réajuster la donne pour évoluer aussi dans sa vie, et puis ben, pour gagner sa vie aussi, parce que même si l'argent, voilà, c'est pas une...
Je sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire que j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, j'adore mon activité. Ben voilà, j'éprouve énormément de plaisir à ce que je fais, et ma motivation première, ce n'est pas de gagner de l'argent avec ça. Voilà, j'ai pas l'intention de devenir riche, mais j'ai quand même besoin de gagner de l'argent. Vous pouvez bien le comprendre, puisque bah, comme tout le monde, hein, j'ai des factures à payer. Les factures se payent pas avec un sourire, c'est dommage, hein, parce que je pense que j'arriverai à les payer facilement sinon. Mais voilà, encore une fois, je ne me plains pas. Voilà, je suis pas, je gagne ma vie, je pourrais la gagner beaucoup mieux aussi. Après, c'est un choix que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai pas des horaires qui sont très étendus. J'ai privilégié aussi ma vie de famille quand même, puisque bah, je suis toute seule à m'occuper de mes enfants. Donc voilà, enfin, j'ai privilégié pas mal d'autres choses. Il y a sûrement beaucoup de changements, voilà, qui vont intervenir par la suite. Je vous en redirai plus parce que pour l'instant, j'ai pas trop envie de m'avancer, j'ai pas envie de me porter la poisse. Mais voilà, il y a des choses qui vont bouger dans les semaines, dans les mois à venir. Je vous en reparlerai de toute façon. Vous le savez, puisque je vous en parle, j'aime beaucoup partager tout ça avec vous. Et je trouve ça, voilà, très cool. Et comme ça, vous voyez aussi que eh ben, le parcours n'est pas tout rose, tout n'est pas dans un monde parfait de tapis rouge, de licorne et de paillettes et machin. Et pour autant, je ne le vis pas comme un échec. Voilà, c'est tout. Mais voilà, j'avais envie de rebondir. Et puis comme ça, au moins, bah, les choses, elles sont un petit peu plus claires aussi pour vous. De toute façon, on en reparlera. Donc là, effectivement, le côté boutique, enfin, en tout cas, boutique dans la vente de cosmétiques va s'arrêter. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une décision que ça y est, maintenant, j'ai prise. Et donc là, je suis en train de liquider les stocks. J'ai vendu pas mal là sur les 15 derniers jours, donc ça c'est plutôt bien. Et je vendrai également pas mal de choses, en tout cas je l'espère, sur le salon bien-être que nous organisons. Donc c'est la troisième édition que nous organisons donc à Bouzonville le 10 septembre. Voilà, là je tiendrai un stand avec tous les produits qu'il me reste, et j'essaierai de faire des prix, voyez, des prix ronds, voilà, histoire que voilà, que les choses partent rapidement. Après, bien sûr, s'il me reste encore des produits après le salon, j'aurai bien évidemment, si je change de local, un local où je garderai encore, ben voilà, les derniers produits que j'ai, puisque j'ai toujours encore la boutique en ligne pour l'instant. Pour les bijoux, je ne sais pas encore, je n'ai pas vu Ginger, on n'en a pas encore discuté, mais voilà, tout ça, c'est des points que je vais aborder sûrement durant l'été ou à partir de septembre. Voilà, je compte bien faire de cet été un été productif et d'avoir une rentrée vraiment en force et en forme pour des tas de nouveaux projets, parce que il y aura sûrement plein de choses qui vont arriver dans ma vie, et ça va être trop 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 cool. Je suis tellement heureuse. Ah, donc voilà, je vous en reparlerai en temps voulu, parce que j'ai, comme je vous le dis, j'ai pas envie de m'avancer trop, et j'ai vraiment envie que les choses soient sûres. Je pense que vous pouvez tout à fait le comprendre. Ensuite, je vais rebondir sur un autre commentaire. Donc c'était de Sonia qui m'a écrit. On s'écrit de temps en temps sur Instagram, notamment au niveau des soins du visage, tout ça. Et c'est vrai que vous êtes même plusieurs à me dire, c'est vrai que le but aussi des vidéos, c'est pas de vous dire faites cela ou achetez le produit que moi j'utilise parce que c'est le meilleur. Non, c'est, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que justement, et c'était le but en fait de ma chaîne, de mon blog tout au départ aussi, et ce but n'a en tout cas pas changé. C'est l'échange et le partage en fait sur moi je fais comme ça me convient bien ou ça me convient pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous faites. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Est-ce que ce produit que moi j'ai aimé, est-ce que vous l'avez aimé aussi? Pourquoi vous ne l'avez pas aimé si ça ne vous a pas convenu? Enfin, voilà, c'est vraiment ce but-là en fait. Vraiment, c'est l'ADN de ma chaîne en fait. J'ai envie de dire ça. C'est pour ça que j'ai créé tout ça il y a 11 ans maintenant, et ça n'a toujours pas changé. Et c'est ce que j'aime en fait dans les commentaires, et de plus en plus, c'est-à-dire que on arrive avec des personnes de tous horizons et d'âges différents, et qu'on arrive toujours encore à, voilà, à partager, à échanger sur certaines choses, à donner son point de vue sans que voilà, sans que tout le monde nous bondisse dessus, et que ce soit toujours fait dans le respect et la bienveillance. Ça, c'est plutôt cool. Et je trouve que
Voilà, ça fait toujours du bien de se dire que, tiens, ça a fonctionné pour moi, ça va pas pour elle. Pourquoi ça va pour elle et pourquoi ça va pas pour moi? Et je trouve que ça, c'est bien. Parce que, comme dirait, comme mettrait Sonia Seller dans ses petites vidéos, voilà, on est toutes différentes, que ce soit en termes de peau, en termes de vie. Voilà, on peut pas. Finalement, je me rends compte qu'on ne peut pas se comparer aux autres parce que bah, chaque personne est unique et vous êtes unique, moi je suis unique et je trouve que c'est ce qui fait vraiment toute notre richesse. Et ce qui fait l'autre richesse aussi, justement, c'est de partager en fait cette, je sais pas, cette unicité, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, ce fait d'être chacune unique finalement, même si on a voilà, des caractéristiques communes, bien sûr, mais je vais dire, c'est ce fait-là qui est super enrichissant justement dans les partages et tout ça. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, j'ai l'impression que mes vlogs, ils sont tout à fait banaux et je vous partage. Rien de spécial, c'est-à-dire que j'ai une vie vraiment voilà d'une nana lambda, mais en même temps beaucoup d'entre vous peuvent s'y retrouver et parce que bah, on a toutes foncièrement dans le fond quand même un peu la même vie quoi finalement voilà tout le monde se lave, tout le monde mange, tout le monde fait caca, tout le monde, enfin voilà c'est y a rien de glamour dans ma vie. Après j'ai voilà j'ai construit une vie que j'aime et qui me convient, qui conviendra peut-être pas à d'autres. Ou qui plaira, ou qui fera peut-être envie à d'autres. Voilà, enfin, c'est. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, essayez de créer une impulsion dans votre vie, ou en essayant de se dégager justement du regard des autres et du jugement des autres, de se dire ben voilà, moi ça me plaît et j'ai envie de continuer à faire ça. Et tant pis. Je veux dire, si quelqu'un aime pas ça ou ça convient pas à l'autre, mais c'est pas grave. Moi ça me met en joie, ça m'apporte du bonheur. Et j'aime ça et je continuerai à le faire. Et la seule différence, c'est que bah, moi, j'ai décidé de le partager sur les réseaux. Après, effectivement, bah, voilà, on a des gens à qui ça plaît, d'autres à qui ça plaît pas. Bah, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et puis, on fait chacune avec. Voilà, sur ce très très long blabla, j'en suis vraiment désolée si ça vous a peut-être saoulé, mais j'avais envie de vraiment de rebondir dessus. Je vais finir de répondre aux commentaires, et puis je vais continuer à vaquer à mes occupations parce que donc on est lundi et j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire. Il faudrait que j'aille à la déchetterie aussi pour jeter un très 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 vieux meuble que j'avais déjà acheté d'occasion, qui était déjà bien brinque-ballant, mais là voilà, il a fait 3 années supplémentaires de bons et loyaux services. Maintenant, je pense qu'il est temps pour lui de prendre une retraite bien méritée. Et j'ai du repassage à faire, j'ai mes courses à faire et sûrement encore un tas d'autres choses. Je vais essayer de vous emmener avec moi un maximum, voilà, dans ce que j'arrive en tout cas à filmer. Je vous dis à tout à l'heure.